Salut à tous, c'est DJ Venom The et aujourd'hui on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo d'une présentation de Virtual DJ. Donc Virtual DJ c'est un logiciel de mixage. Donc il est servi qu'on peut rajouter donc à la configuration, on peut rajouter des skins, mais on peut rajouter des platines, des mini platines, des jogs et tout ce qui va avec. Donc on commence par, je vais commencer par les skins. Donc, on va d'abord commencer par le sound setup. Donc sound setup c'est là où on charge ce qu'on a. Donc là c'est pour mettre une timecode, donc une platine, deux platines. Ça c'est j'ai oublié le nom, je le mettrai dans la description. Pour mettre un micro ou une table de mixage. Là c'est pour mettre un casque et des baffles. Là pour mettre un mixeur. Un mixeur un peu plus évolué et encore une table de une sono. Donc là la carte son, donc d'origine elle est là, elle est comme ça. Donc moi j'ai une platine, donc si je la branche ça ira sur Hercule, sur ma mini platine Hercule. Voilà. Donc pour les skins, donc on a plusieurs skins qu'on peut télécharger. Bon moi ça bug parce que c'est pas la bonne version, donc moi je n'utilise pas trop ce skin, il est bizarre. Je suis plus sur celui-là, sur le Virtual DJ 17. Après il y a le basique. Bon c'est pareil, ça marche pas parce qu'il n'est pas en 1280x800. Donc voilà, bon ça normalement c'est ceux d'origine qu'il y a, je crois, sur. Si vous voulez la version gratuite, c'est Virtual DJ Home Edition. Donc, ensuite les mappers. Donc ça les mappers c'est les raccourcis clavier. Donc pareil, si vous avez une mini platine de Hercule comme moi, donc vous pourrez changer les touches qu'il y a dessus, donc en changeant là. Donc là, on change, on met play, stop, par exemple. Bon là, il n'y a pas. Donc loop 1, c'est ce loop là. 2, 4, 8, 16, 32, et loop. Donc vous changerez, vous mettrez, par exemple, loop 2. Ouais, mais bon, voilà. Donc la vidéo, bon ça c'est là où la vidéo va sortir. Bon, c'est une petite fenêtre qui va s'ouvrir, elle est là, voilà, donc on peut l'activer. Après on est dans les options, donc le crossfader s'il est complet, c'est seulement pour du scratch, s'il est désactivé, s'il est... Voilà. Après on a le range de pitch, donc ça 20% ou les dernières, moi je vais mettre 500. Donc les égaliseurs dans le casque activé joke mode, c'est pour ça là. Voilà. Pour vinyle c'est des selon la platine qu'on a. Bon, ça c'est senti, c'est pour voilà, sensibilité des trucs. Donc le scrolling, je sais pas ce que c'est, je suis désolé. Le disque, pour savoir si c'est du 33 tours ou du 45 tours. La sécurité, par exemple, demander ou pas, c'est pour si on met un truc sur la platine qui dégage pas tout de suite. Tout type, je sais pas non plus, je suis vraiment désolé. Et pourquoi il n'y a pas en français? Tant pis, bon ça c'est pour dire sur MSN ce qu'on est en train de mixer. L'auto update est pour sa mise à jour automatique. L'auto pitch matching c'est pour là par exemple quand on met deux musiques, ça s'affichera là le pitch. Donc, si on le met direct à la même vitesse ou pas. L'auto gain, bon pareil. Le même volume de son. Pitch reset and load. Donc ça c'est le pitch qu'on charge, qu'on fait quand on charge. Donc ça c'est l'equalizer, les effets. L'auto-Q. Alors l'auto-Q, c'est j'ai oublié aussi, mais je le mettrai dans la description. Parce que j'en sers pas. Si j'en sers, mais je m'en aperçois pas. Bon ça c'est le bitlock, c'est pour bloquer le.
c'est pour les ça pour bloquer le bon, ça c'est quelque... c'est sympa, j'expliquerai tout à l'heure. Donc toujours on peut toujours le mettre ça en dessous de 80 battements par minute. Donc après c'est charger playlist ou auto-sauvegarder les pas chargés. Donc après on peut aller sur internet. Bon, il faut mettre son login et tout. Donc je vais le mettre si vous voulez. Voilà. À mon avis, il va pas me dire, il va me dire non. Pas sûr. Voilà. Bon, je suis pas membre. Je suis connecté. Donc ça c'est pour les iPhones. Les iPods pour mettre les iPads. Ça c'est les codecs. C'est performance, si c'est optimisé pour la latence, pour la qualité, tout et tout. Bon, je m'en sers pas, non, là non plus. Mon browser, c'est pour. J'expliquerai tout à l'heure ce que c'est. Ça, c'est les infos, bon, on s'en fout. Voilà. Pour ce qui est browser, donc les browsers, on trouve les musiques. Donc là, on va sur musique. Bon, moi, j'ai Apple. Donc, sur iTunes. iTunes, et là on cherche par exemple une musique. Voilà, comme celle-là. Voilà, on trouve les musiques et celle-là. Donc là on trouve les musiques. Ensuite on a les samplers, donc là c'est tout ce qui est bruitage. Bon, moi celui-là je m'en sers pas beaucoup. Push. Donc je crois que vous en avez 6. Les 6 qui sont là. Sauf ceux-là, ceux-là, oui ceux-là, enfin, les deux là, vous les avez d'origine. Après, bon ça c'est tout ce que j'ai rajouté. Beat, tout. Là on a les effets. Donc les batteries, c'est un plan que vous avez derrière. C'est comme si on prend le job. Moi j'en ai installé d'autres, mais vous en avez déjà désinstallé. Mon record pour enregistrer de la musique, grave un CD ou mettre sur internet. Donc passons aux platines maintenant. Donc là c'est votre endroit où il y a votre platine. Donc là moi je suis en mode quand même assez avancé. Est-ce que. Aïe! Est-ce que je peux changer? Donc oui. Donc là on peut mettre 4 platines. Et on peut en mettre 6. Je crois que 6 ça marche pas bien. Ah si, ça marche. Voilà, les 6 platines. Bon, franchement, j'ai ça. Je vois pas l'intérêt de les utiliser, mais bon. Je me remets en 2. Là, je veux jog. Jog, encore un autre jog. Donc, vous voyez, ici là. Ça, c'est votre musique. Pareil, en fait, c'est la même chose qu'il y a. C'est bleu et rouge. Bon, ça, c'est le temps.
Ça c'est un job. Après il y a mis sur mi. Bon, mi sur mi, donc là, mi 1, oui. Master pareil c'est bon. Basse, là. Volume de celle-là. So she ran away in a paradise, paradise, paradise. Every time she closed her eyes. Donc aussi là on a le l'automix. Donc l'automix vous mettez les platines, vous appuyez là. Vous appuyez là, sinon ça met ça coup, ça mixera tout seul. Limite c'est pas en mixé. Bon, c'est le bouton qui arrive quand même. Vous appuyez là. Ça va ramener quatre moments. Ça peut être une petite finale. Là, donc voilà. Ah oui, donc ouais, bon là ils me disent que ce que je vais mixer sur internet. Après vous avez le mode internet, donc si vous êtes membre et que vous avez acheté que vous avez acheté Virtu Didi sur le site et que voilà, moi je l'ai acheté mais d'une autre manière, je l'ai acheté avec ma platine, donc ça n'a rien à voir du tout. C'est pas la même chose, il faut l'acheter à Virtu Didi même. Donc vous êtes membre, là vous serez membre complet. Là moi je sais pas pourquoi je suis pas membre, je l'ai acheté. Donc vous allez, vous irez. Voilà, vous mettrez par exemple, non, je vais mettre le truc qui me vient à la tête. J'ai pas de musique qui me vient à la tête. Hardwell par exemple. Hardwell. Donc, vous faites ça. Voilà, vous pouvez chercher sur internet. Oula, 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 on se calme. Donc, ah, du hardwell j'en ai. Qu'est-ce que j'ai pas Non, tu cliques, j'en ai. Ah non. Wiz Khalifa, ah, c'est une musique. Voilà. Donc là, vous avez... ils vont vous donner des trucs de Internet, seulement d'Internet. Donc là, vous pourrez prendre par exemple celle-là. Mais vu que moi, je suis pas en mode normal, j'aurai que 30 secondes. Ouais, voilà, c'est écrit là. Faut payer pour avoir le net search. Sinon, il y a la musique. Hein. Ah oui, donc j'ai oublié. Donc il y a le mixeur, il y a aussi pour la vidéo. Donc la vidéo, je sais pas si j'en ai. Peut-être sur là. Peut-être. Bon, c'est pas trop ça. Bon, je vais pas montrer ma tête. Voilà.
Et vous avez pour le scratch. Bon, si vous voulez faire du hip-hop par exemple, I could watch you for a lifetime. You're my favorite movie. Et voilà. Donc, je crois que c'est tout. D'ailleurs, je crois que j'ai tout montré. Donc, merci de m'avoir d'avoir regardé ma vidéo et à plus pour une nouvelle. Ciao les gars. Et les filles. Excusez-moi.